nous venons vers vous parce que votre avis, votre expérience et votre savoir-faire nous intéressent. Moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Oui, vous. Moi, le frère Fiston Bouy, chantre, adorateur, je suis aujourd'hui ici à l'émission Moi pour parler de moi et de tout ce qui me concerne. Moi. Comparativement à un curriculum vitae, donc cette émission Moi Magazine vous donne l'occasion de connaître mieux encore nos invités qui sont pour vous sûrement de modèles à suivre. Et bien pour ce numéro de ce jour, nous avons l'opportunité sur ce plateau mobile de ces magazines de recevoir pour vous Fiston Bouy. Vous les connaissez parfaitement très bien. Et bien nous allons le recevoir pour essayer un peu de parler de son passé, de son présent et pourquoi pas de ses projets et d'avenir. Soyez-en sûrs, faites-moi confiance. Aujourd'hui, on va parler de tout, sauf de rien. Bonjour Fiston. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup, ça va très bien. Alors, une première impression par rapport à ces magazines. Ouais, ça va, j'aime bien déjà l'esprit, c'est professionnel, c'est bien, c'est réfléchi, ça donne envie d'y être, donc c'est bien. Alors, voilà, et bien nous également à travers cette grande équipe, nous vous disons merci parce que nous avons adressé une invitation, vous avez répondu positive et vous êtes là déjà. Je vous en prie. Ok, alors Fiston Bouy, FM pour les intimes, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, nous avons l'occasion de vous recevoir et nous avons par esprit la première question à vous poser, c'est celle de savoir c'est par quelle magie que vous êtes aujourd'hui connu à Kinshasa et de par le monde. Merci pour cette opportunité. Mm-hmm. Et déjà merci pour la question, yes. Elle est pertinente. C'est par la magie du destin, je veux dire ça comme ça. Allez-y. En tout cas, c'est par un événement que je pense que tout le monde a vu ici à Kinshasa que je suis connu par ce nom Fiston Bouy. C'est par un événement superstar. C'est à partir de cet événement que je suis aujourd'hui reconnu. Donc voilà, s'il faut que je réponde un peu à votre question. Donc c'est par superstar qu'aujourd'hui Fiston est connu. Voilà, c'est par cet event, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on aimerait bien comprendre qui était Fiston Bouy avant d'arriver à cet événement. Un artiste, un chanteur toujours, et un monsieur déterminé à réussir dans la musique. Donc c'est même pour cette raison que je suis passé d'étape en étape pour arriver jusqu'à superstar. Donc parce que je me rappelle même qu'il y a un ami que je suis allé au casting de superstar. Yeah. Je pense que si je n'avais pas cette envie de faire la musique, j'allais peut-être refuser sa demande. Alors il a insisté, il m'a dit qu'on faisait des recrutements où il y avait des auditions quelque part, il faut que tu te lèves, que tu arrives te faire auditionner, tu es un bon, il m'a encouragé, vas-y. Et c'est comme ça que je suis allé. Donc je me suis levé, j'ai dit bon, je pense que j'ai ce talent, alors que je veux voir ce que ça va donner. Et je suis allé, ça marchait. Donc c'est par cet amour de la musique, j'étais toujours ce même Fiston avant. J'aimais beaucoup ce que je faisais et c'est la même chose, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que le musicien, soit toutes les personnes qui font l'art, ont toujours des mentors, ont toujours des modèles. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Oui, hein, on peut dire ça. Hein. Sincèrement, il y a des gens que j'aime bien suivre, que ça soit de près ou de loin. Mm-hmm. Mais dire mentor, je ne sais pas si vraiment j'ai besoin de ce mot pour l'instant. Mm. Mais je crois qu'il y a des gens que j'admire et que j'apprécie de loin ou de près. Mm-hmm. Ça, je peux dire ça. Voilà. Donc, s'il faut que je cite ces personnes, il y a notamment Papa Henri Moulaja, il y a mon frère que j'aime beaucoup, Enoch Ebadou. Mm-hmm. C'est vrai que les gens vont s'étonner. Enoch Ebadou, c'est pas... dans la classe de Alain Moloto et tout ça, parce que dans la plupart des cas, quand on demande à quelqu'un de citer le nom d'une personne qu'il aime bien, donc c'est un frère qui m'a beaucoup aidé artistiquement ainsi que dans la vie comme ça. Et... voilà, on sera bilingue tout au long de cette émission. Je crois que ça va pas déranger, toi Bakinoat. Ça ira moins bien, Monding, ça ira bien. Alors Fiston Mbouyi FM, on va parler maintenant. Superstar, vous êtes y arrivé et puis ok, Tina Sommet. On va parler de ce challenge. Hein, il y a finale, il y a Superstar. Vous êtes sûr et vous croyez certainement qu'Innocent Baloumé vous a vaincu? Non, même pas. Même pas, je ne crois pas. Donc, en ce moment-là, je n'avais même pas l'idée que le champion c'est lui ou moi. Déjà, pour être franc avec vous, sincèrement, l'organisation de cet événement était meilleure. Yes. Parce que c'était, il y avait un suspense, je ne vous dis pas. Donc, tu ne sais pas qui gagne, tu ne sais pas qui est éliminé. C'est vrai qu'il y avait des soupçons sur dans la salle, que c'est Montoutel, Montakou, Kende. Mais tu ne sais pas exactement, tu t'attends à ce que l'autre parte et c'est toi qui pars. Donc, c'était vraiment événement moro, vraie télé-réalité. Alors, même à la finale, je ne savais vraiment pas qui partait. Parce que je savais qu'il y a des gens qui votaient pour moi, il y a des gens qui votaient pour mon frère. Mais à la fin, je me suis retrouvé deuxième, finaliste seulement. Et c'est... moi, je rends grâce à Dieu, hein, je pense que c'est le destin et voilà. Ça me suffit. Imaginons un seul instant que tous ont ici film Nassima. C'est pas dans notre pouvoir, hein, mais tous ont besoin de Mickey. Ça m'a fait ce pouvoir. Tous ont ici image. Timo Kolwana. Imaginons maintenant que c'est Fiston Mbouyi le champion. Bon, si on imagine que c'est Fiston Mbouyi le champion, je pense que Dieu avait un plan. Je ne peux pas dire que, bon, voilà, après j'allais faire, je ne sais pas, mais j'avais, c'est vrai, des intentions, j'avais des objectifs, des ambitions. Mais en même temps, c'est comme dit la Bible, Bissotochar a projet, mais nous avons tout à établir, ça rendra un tout qui sera projet. Donc, on a projet dans les comme un champion. Après, on a ça là-bas, plus, aide, aider les enfants, faire la musique pour aider les gens, tout ça éducatif, et tout ça, et puis voilà, continuer dans ma carrière bien sûr, mais Dieu a permis à ce que ils aient la bonne et ils aient l'eau. Moi je rends grâce à Dieu. Voilà, au Bethel Open, c'était vraiment une télé-réalité, mais après vous, il y a eu pas mal d'éditions et lundi, par rapport à la première, au Komagetine à sommet, succession, vous êtes sûr et certain que l'aventure est en train de rouler à fond la caisse ou soit bah des rapas. Bon, je pense que sauf un des rapas, on a créé un problème. T'es bah des rapas, t'es seulement au moins une kin, toi, on a des faux mots. Tout mais ça na soso moro dans 5 jours. Elle est sur la mélo soso, le loba la mélo soso, le loba la mélo soso. 5e jour, le loba, abinove, bon, la matap somme sonte. Donc, on a habitué un peu mal les gens. Na compétition wana. La première édition fallait batika peut-être, moi je pense, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi, il fallait batika ta deux ans et les cas et puis après bah lancer compétition mususu, même si fallait bas salango na deuxième édition, il a fallu que niveau il y a première édition dans la c'est la deuxième édition, parce que dans la première édition bah talent bazaki est belé talent et zaki wana aux années. Donc nous on était dans le manoir, on a tout d'un coup somme au mot parce que tout le monde chantait bien. Yes. Alors j'ai battu Nani a gagné, Nayo Mozoué m'a bien Mozo Banga. Donc vraiment concurrence c'est Zalaki, compétitivité c'est Zalaki. Donc la deuxième édition j'ai senti que ça a dosé, baissé qui un peu de temps et Kitaï Mouké, c'est-à-dire que concurrence Zagi Pena Maka c'était sur plan talent, mais il y avait des bons dans la deuxième édition aussi. Il y a mon frère comme
bon, Paul Kabaï dit pour nous citer quand Oana, Sarah Kaloumé et d'autres frères et sœurs. Je pense que il y avait pas mal de talent. Seulement, moi je pense que mon homme dans l'histoire n'a pas. Yes. Lundi au Ghana mardi au Ghana mercredi. Dans l'Ouest Bongo, je pense que nous sommes à l'édition et Zagi n'a moins bien. Voilà, vous avez eu une grande chance que beaucoup de superstars, Moko et Amonde et Ken, est-ce que vous avez gardé des relations? Non, pour garder des relations, non, on n'a jamais gardé de relations. Seulement, on a parlé après la compétition. Il m'a encouragé. Il m'a dit que j'étais. Il sait que j'étais une étoile. Je suis une étoile. Et il m'a dit qu'il faut travailler. Travaille, ne t'arrête jamais en chemin. N'écoute jamais ce que les gens disent sur toi. Fais à ce que les gens respectent ce que tu es. Ce que tu deviens. En fait, parce que les gens changent d'avis. Ouais. Hein, parce que quand tu attends à ce que les gens émettent des avis sur toi, tu seras déçu. Donc fais à ce que tu sois quelqu'un qui peut faire changer d'avis. Donc, il m'a beaucoup conseillé. On a vraiment eu le temps de parler. Et après, il est parti. On n'a plus été en contact. Voilà. Vous êtes sans une oreille que nous sommes en train d'évoluer hein, avec cet artiste qui est ici sur ce plateau. Fiston Bouille FM. Avec lui, nous parlons. Nous avons déjà parlé passé. Hein, on va essayer de parler présent. Et pourquoi pas voir ses projets d'avenir. Alors, Fiston, aux ans la plateau Nabisso, il y a Moi Magazine. Hein, on veut vraiment continuer à vous connaître encore davantage. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, à Kinshasa, et de par les Kinois en particulier, tout dans un système, il y a deux musiques. Il y a une musique profane et il y a une musique chrétienne. Qu'en pensez-vous? Bon, parce que moi je pense qu'à ce qui concerne les noms, les... définir la musique profane, la musique chrétienne. Oui, c'est vrai. C'est comme ça par rapport au terme. Il y a une musique où on donne une musique où on est pas bien vraiment populaire. Moi, je préfère appeler ça comme ça. La musique populaire. Parce que ça parle du vécu quotidien, du social, tout ça, de la vie. De l'environnement. Et tout ça, de ce qu'on vit tous les jours. Mais il y a une musique où Zarara. Célébrer comme Yesu, Ezara Koyemba Yesu, co présenter Yesu, Kolakisa Yesu, co évangéliser Nanzela Nango, Wanande Tobengi musique chrétienne. Oui, il y a cette différence thématiquement parlant, différence ces âmes quasi, mais artistiquement parlant, différence ces âmes qui aiment Ming était parce que besoin de la rare musique. Donc c'est vrai que par moment, si on met ta musique chrétienne, elle a une musique mon Nirogo Sati. Selon les gens, je pense. En ce moment, nous, c'est la musique mouboué. En ce moment, la musique, on est à Moukili. Donc, c'est la musique, yote, musique, maman, et mes amis, mais musique, on est à Moukili. Moi, je pense que la différence, il n'y a vraiment pas trop de différence dans la musique. Il y a plus de différence dans le thème. Donc, dans le thème, déjà différent. Mais musique, c'est la musique. C'est la musique, où ils ont servi, ils ont sur la guitare, la batterie, ils ont sur. Ok. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Eza po na ngai te, bolamu na ngai te, loyembo na ngai te, nyonso na ngai te. Kasi na zwingolu liboso na yo mosantu, mosumu ki oyo azwingolu. Moto ayambo oyo nazalaki, azalaki otepa koyenga na liwa na molimo. Si mosantu alolo yozali ondimi otika ngwende na bokonzi oce maboko na potopoto wana babengi. Vous avez certainement reconnu l'artiste Fiston Bouille FM, comme je l'ai dit en début de cette émission, hein, pour ses intimes. Hein, là, il était dans ses œuvres. Vous l'aimez bien et vous aimez ce qu'il fait. C'est lui notre invité de ce jour. On continue notre parchemin avec lui. Papa Fiston,
Avant tout à l'image nao ya kitoko souma ba téléspectateur bazongi li sous bien bien. Nanga to rata moi rappeler là. On va voir si la voix est toujours la même ou soit vu que moi bambou le liki après est-ce qu'il y a pas modification. Motoyambo nzalaki azalaki te pas koyangana liwana molimo. Pepe ne yanzoto kasi musantu lolo uzali undi mutika ngonde mambu kundi oche maboko na pote pote wana babengi ngaipe musantu nazwi kombo na yo kombo na yo nazwi kombo na yo babengi ngai soki kaka mpona mokili mingayo nazonga mabele Pulukula, Shadrako, Mishaka, Nabetnego, Namoto, La Luema Vikundani, Pebwaka Kinga Namoto, Logique Bouya Kindai, Nani Sumo Kyoye, Kasile Kelinda, Yulambinda Namoto, Mpe Moto Bange, Tumbanga, Moto Bange, Otiki Mwende Nayona Lola. Okiti mbangu na se Omemi bonzambe no na moto Memi bonzambe na moto Memi bonzambe na moto Pekumbine tundinde tundinde Asa chanje Toujours authentique, hein, toujours égal à lui-même. Inutile, ça va être insulté. On va mettre un mambo pour bazo salango déjà sigo na bandaku. Alors, on vous entend chanter. Ouais. Thématiquement parlant, là c'est l'autre musique. La musique chrétienne. Voilà. Voilà, la musique chrétienne. Il y a un côté ici, au président de la Kati. Aujourd'hui, vous, s'il faudra vous catégoriser, toi, tu as au côté nous. Non, je suis un serviteur de Dieu, je suis un chantre, un évangéliste. Ça veut dire que j'annonce la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est clair, je sers Dieu. Là, on perd le pédale, là. Dites-nous un peu. Fils de Mbouyi. Mais non, là, serviteur de Dieu, vous l'avez été avant Superstar, vous l'avez été pendant Superstar ou vous l'êtes devenu? Non, en fait, je suis toujours serviteur de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. C'est vrai que je reconnais qu'à un certain moment de ma vie, cette alliance était brouillée par des choses, par des circonstances, par beaucoup de choses. J'ai été influencé par pas mal de choses négatives. Je l'admets, mais je ne reste pas là-dessus. Dans la vie, le plus important, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Le plus important, c'est ce que nous serons demain. Alors, il y a une fin à chaque chose. Alors vaut mieux que cette fin soit mieux que ce présent qui est voilà, je pense qu'il y a toujours une fin. La Bible même dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors il y a eu un début, il y a eu un passé qui est, c'est vrai, douloureux par rapport aux expériences négatives que j'ai à vivre, mais aujourd'hui je suis dans le temple et je m'en réjouis parce que je suis sauvé par la parole de Dieu. Je suis content, je suis l'homme le plus heureux de la terre parce que ce que je ressens aujourd'hui je ne pouvais pas le ressentir en ce moment-là. Ce que je sais aujourd'hui, je ne pouvais pas le savoir en ce moment-là. Mais le passé m'a servi de quelque chose pour connaître quelque chose aujourd'hui. Donc j'ai quelque chose à dire aujourd'hui aux gens qui vivent la même chose que mon passé. Donc j'ai un message à leur apporter en ce moment. Donc je pense que c'est important pour moi aujourd'hui de servir Dieu parce que dans un message, il y a même la bateau, bah ça la même ou ça la nanga n'a passé. C'est-à-dire au bah bunga qui n'alliance yanzambe ou bah c'est Bouyaki, et puis voilà quoi. Donc, à partir toujours de cet événement, Superstar, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'avoue que je m'étais un peu fâché à un certain moment contre l'église en général, parce que les gens avaient mal interprété mes choses. Je ne savais pas. Maturité, oui, banane, que on ne vit pas pour les gens, on vit pour ce qu'on est et pour Dieu. Alors, si je comprends bien, j'étais vous allez déjà chrétien avant Makamboa. Avant, oui, bien sûr. Donc, je salue mon pasteur de l'église Mirena, avant Superstar, pasteur Flarin, et voilà quoi. J'étais chrétien et je le suis. Bon, j'ai grandi de toute façon dans l'église. Je suis d'une famille je suis issu d'une famille chrétienne. Vous savez, quand tu es d'une famille chrétienne, et goyimba ape, donc on a censé tout de suite au kenepe église et goyimba faut qu'on t'aime chorale. En fait, mais ça différent à mon temps, j'ai conscience et aller bosser l'ensemble. Maintenant, on est allé par obligation, conscience des alliés, oui, mais nous par Namoko. Moi, on est beaucoup plus par obligation, famille et par entourage.
âge, par, par influence. Mais aujourd'hui, quand on a l'équipe, on a choc, on a après superstar. Quand j'ai vécu toutes ces histoires, alors j'ai vu Dieu dans plusieurs plans. Nathalie, Nabi, non. Il faut vraiment que je me stabilise comme ça. Et avec Dieu, il faut que j'aille. Ne vous en faites pas, je vous donne la certitude. Hein, quand on est à Jésus, toutes les choses anciennes sont passées. Amen. Voilà que toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, Fiston Mbouyi, tout le monde a featuring Belé Lelo. Dernièrement, c'était avec le frère Michel Bakenda. Bon, le frère Michel Bakenda, pour moi, c'est plus qu'un frère. Ce n'est pas qu'un simple frère. C'est la famille. On ne se connaît pas aujourd'hui. On n'est pas d'aujourd'hui. Yes. Donc, ça fait plusieurs années, je veux dire. S'il faut qu'on attende exactement. Donc, bah 2006 déjà. 2005-2006, si je me rappelle. Théo Banaï déjà, on se connaissait. Tout autour, bien sûr, de notre mentor, celui que j'appelle Papa Henri Moulaja. Papa Henri. Donc Moulaja, alors on était tout autour de lui depuis cette époque-là, avec mon frère Fabrice Moulaja aussi, son neveu. On était tout le temps autour d'eux. Alors c'est comme ça que et au Salak, Tobotami, ils avaient Papa Michel Bakenda, Papa Steve Mwanza, autour il y a Papa Henri Papa. En tout cas, c'est un frère de depuis. Alors quand il a fait son album. Et que aujourd'hui je suis fier de lui et Simbi. Alors c'est un album qui me bénit, plutôt beau énormément. Na maloba na ngai elelo soki pe na kokoka nzambe ovandi mesika ya nkembo kombo na Yesu ezali nzambe sembola loboko nzambe lola sembola. Donc c'est vraiment un frère qui me bénit. Alors le roi de la famille déjà, tant que nous avons l'album, déjà il vient, pas parce que nous avons 5 kaka. Parce qu'il y a des gens qui ont il est venu, alors on a fait une chanson dans mon album. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Rapidement, à quand un album signé FM? Cette année, je pense avant la fin de l'année. Le 28, le 29, non. Cette année, avant la fin de l'année, bah, on a déjà l'album Amour Unique. Donc, à Epoussani déjà, et Koli déjà. Donc, je pense qu'il y a un titre, il y a un single même, Nakatiwana, on a Imbakiawa avant. Ça c'est le titre de. Il y a moi déjà dans ma YouTube, déjà, ils ont pas mon laban en Zambé Mingi. Alors, je pense que Batouba téléchargé en haut. Clip Nazo lancé semaine haut. Semaine haut. Tout ça, on a moins de mars dans Souka. Alors, tout ça, dans Souka mars, je pense. Hein. Donc, Nazo lancé clip semaine haut. Il y a avril, je pense, clip et vous allez déjà Batouba téléchargé en haut. Na chaîne en haut YouTube, Fiston Mbouyi. Na chaîne en bas, télécharger en haut. Et puis après, je pense que vous allez bénir. Voilà, te rechuter déjà pour mettre fin à ce numéro. Déjà, mais je veux que vous puissiez regarder la caméra qui est en face de vous pour adresser un message à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles de l'église qui vont bientôt savourer FM. Je vous salue, je vous aime énormément. Moi, c'est votre frère, Fiston Mbouyi. Hier, FM, aujourd'hui, Fiston Mbouyi. Donc, alors, j'ai juste un message, c'est de nous soutenir. D'abord, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on sert le Seigneur, nous avons beaucoup à donner encore. Parce que la carrière ne fait que commencer. Parce que nous avons mis l'album et nous avons l'album dans Liboso. Alors, message est que vous soutenir Bissot, vous allez dans Bissot et Longo, vraiment. Priez avec nous par vos soutiens psychologiques, prière Nabino et au Sala Bissot bien. Appel Nabino pour nous soutenir, pour nous remettre la vie Nabino sur mon Sala. Vous qui n'êtes plus sur YouTube, tous en na Facebook, Fiston Mbouyi na Facebook, na YouTube, tous en Fiston Mbouyi Pesusukaka. Donc, et puis après, je vais donner un numéro de téléphone. Message est que restons chrétiens, tout ce qui est là-bas dans Nzambe. Vous savez, dans la vie, toko kende, toko passé. La Bible dit dans Actes des Apôtres, Bible dit à un certain moment que, or David servit
au destin de Dieu à son temps et après il mourut. Yes. Donc, dans le dessein de Dieu, il n'y a pas que de bonnes choses pour un serviteur de Dieu. Dans le dessein de Dieu, il y a des étapes belles. Alors, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une bonne fin. Dans le dessein de Dieu, il y a la vraie raison de vivre. Donc, alors, je pense que vous soutenir Bissot, on a encore beaucoup à donner. Alors, botika Bissot, bopesa Bissot, ma beaucoup. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Amen. Voilà. Alors, on va terminer avec une seule coutume. Il y a émission Oyo. Tu es bien au Komonango moi, mais tu l'ingas gato et bape authenticité. L'artiste est bien à plateau. Oyo bissa Bissot moi. Dans mon renom Mboka, la langue maternelle. Même. Là, c'est en Chiluba. Donc, même Mbou y fiston, puisque je parle en Chiluba, na balana kumba Mboka. Yeah. Donc, même Mbou y fiston, Njimwa Beouba Kwamba Malouani, même. Donc, mon émission, même. Alors, Sambouy FM, c'était un plaisir. Je vous remercie. De vous recevoir sur ce plateau de moi. Je crois que c'est la première fois. Le plaisir est partagé. Mais vous continuez à continuer à voir que vous avez ce porte. Non. De toute façon, Bikouke, vous allez toujours au fond de moi. Et puis voilà, vous serez le bienvenu. Le plaisir est là. Nous avons Pambo Labino. Et puis, vous allez à Amour Unique. Voilà, Ezoya. Voilà. Mokolo moko ne ebale ya Yuludani. Mungongo moko ewiti o likolo. Elobi ete. Oyo azali mwana nanga ya bolingo. Boyoka ye. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous avez certainement aimé ces numéros, donc dites grand merci à la grande maison BD Business qui a produit donc cette émission, ainsi que la grande équipe qui est avec nous ici sur ce plateau. Je vous dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.